troisième condition, la sincérité, qui s'oppose au shirk, au polythéisme. Okay? C'est-à-dire que la personne qui doit prononcer, qui va prononcer cette parole, n'est-ce pas, doit prononcer ça en vue du visage d'Allah, pas pour les gens. Okay? Et c'est venu dans le muslim, dans le sahih muslim, que le prophète a dit, فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله ويبتغي بذلك وجه الله. جيد que le prophète a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu l'enfer interdit à celui-là qui va dire la ilaha illallah tout en recherchant le visage d'Allah. جيد.